Bonjour et bienvenue dans Picotard. Nous nous arrêtons aujourd'hui sur l'œuvre de l'artiste Fabrice Gigi, intitulée Cube, commandée en 2006 dans le cadre du Festival des Francophonies et produite en 2007 avec le soutien de la Fondation EDF. Elle fait désormais partie de la collection permanente des Jardins du Mac à Marseille. Cette construction métallique est composée de deux modules jumeaux en tube d'inox implantés au sol. Leur positionnement improbable, presque bancal, joue des effets de masse et de déséquilibre. Cette structure s'apparente à un élément d'architecture dépouillé, proche des cages de zoo ou des espaces de jeu. L'œuvre est praticable, elle invite notre corps à se mettre en action, à faire l'expérience des espaces transitoires, du vide et de l'enfermement. Entre sculpture minimaliste et aménagement urbain, les constructions de Fabrice Gigi usent d'éléments connotés et renvoient à l'idée de cadre, d'ordre et de soumission. Cube interroge ainsi l'intervalle entre liberté individuelle et instrument d'oppression. En tant qu'artiste, nous dit Fabrice Gigi, j'ai toujours été confronté à des enfants qui venaient jouer sur mes pièces. Et il m'est arrivé de penser qu'il s'agissait de la meilleure critique à l'encontre de mon travail.